encore un peu excessif cette introduction? Je ne sais pas, en tout cas bienvenue à vous, bienvenue dans cette vidéo, ça me fait plaisir de vous voir. Installez-vous confortablement et on va voir de quoi parle cette notification. Et comme vous le voyez ici, eh ben c'est tout simplement un dev blog. Un dev blog, vous le savez, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, empli de promesses. Promesse ? Promesse, quelle transition incroyable. Promesse que j'ai fait il y a quelques temps, celle-ci. Si vous voulez la suite, si vous voulez qu'on parle un petit peu des caractéristiques de ces nouveaux dinosaures, je dirais qu'à partir de 350 pouces bleus, on pourra faire une suite. On n'a pas atteint les 350 pouces bleus. Non, pas du tout, regardez ça, c'est une catastrophe. Mais c'est pas grave, vu que vous êtes déchaînés en ce moment et que vous vous abonnez en masse, comme ceux-là qui viennent de s'abonner tout juste maintenant lors de la dernière vidéo, on va quand même parler de ce que je vous avais promis, c'est-à-dire quels vont être les gameplays de ces nouveaux dinosaures qui vont ajouter. Alors déjà, pour commencer, on va aller faire un petit tour sur le dev blog parce que pour une fois, il y a quand même beaucoup de choses intéressantes qui sont écrites. Ok, on y est. Alors, qu'est-ce qui se trame? Dans ce paragraphe, ils disent en gros qu'ils ont beaucoup amélioré le Gallimimus, notamment pendant le mois qui vient de se passer, et en même temps, un petit peu tous les autres dinosaures qui vont sortir pour la prochaine mise à jour 6.5. Bon, ensuite, ça, on s'en fout. Alors là, vraiment, les objets comme ça, les volières, les bâtiments et tout, je m'en fous un petit peu, je sais pas si vous ça vous intéresse. Moi ce qui m'intéresse surtout c'est le gameplay à proprement dit, et qu'est-ce qui va être ajouté au gameplay, comme le gore, comme le nest, voilà ce genre de choses, c'est du gameplay, ou à travers les dinosaures, quel est le nouveau gameplay qu'on va avoir. Et c'est ici qu'il commence à y avoir, non pas du tout, pas du tout, pas du tout, c'est ici non plus, c'est à partir de là qu'il commence à y avoir des choses très intéressantes. Là il y a du gameplay de Ceratosaur, en dessous il y a du gameplay de Bapyarosaur, en dessous encore il y a du gameplay de Gallimimus. On va pas voir ça tout de suite. Calmez-vous. Et ensuite, ici, là, c'est un petit bilan qui dit, bon, ben voilà, on a beaucoup travaillé. Hein. En gros, bientôt, l'accès anticipé à la QA, en gros, au test des joueurs, ça va être, je pense, très prochainement par rapport à ce qui est dit ici. Et en même temps, il y a quelques infos croustillantes. On voit ici qu'il y a 4 nouveaux dinosaures qui vont entrer lors de la prochaine mise à jour 6.5. Et en même temps, qu'il y en a 2 autres qui vont être ajoutés à la prochaine mise à jour après la 6.5. Il parle du Diabloceratops et, je sais plus où j'allais trouver l'info, mais du Dilophosaur. Et ensuite, il retombe un petit peu dans la travers ici en disant, voilà, restez connectés au Discord pour voir les prochaines créatures qui seront ajoutées ou pas, voilà, en production. En gros, ça, c'est pour ce qui est du dev blog 35, où il y a quand même beaucoup d'infos intéressantes dessus. On va de suite passer à autre chose. C'est la roadmap. La roadmap qui a été mise à jour. 4 espèces ici. Bapyarosaurus, Ceratosaurus, Gallimimus, Troodon, qui vont être ajoutées à la 6.5. Donc, vraiment, je pense qu'elle va pas tarder du tout, au minimum, à être en test. Maintenant, comme promis, on va voir un petit peu les différents types de gameplay qu'il y aura. Alors, avec le Bapyarosaurus, bon, ici, c'est expliqué. Et son gameplay va être essentiellement basé donc sur un gameplay aquatique et herbivore, mais on voit aussi qu'il peut attraper des petites proies, donc certainement des petits poissons qui sont dans les rivières. Ensuite, on voit qu'il peut aller sur terre aussi, mais il est moins adapté à la terre, et on voit qu'il a des griffes impressionnantes pour le rendre capable de s'accrocher dans les rivières. Voilà, ici on le voit un petit peu en vidéo, vous voyez qu'il s'accroche par terre, dans le fond des rivières, pour se déplacer, et aussi il va avoir cette capacité-là qu'ils vont nous montrer pour reprendre son oxygène très rapidement. C'est pouvoir sauter hors de l'eau, comme ça. Et là, il a repris tout son oxygène. Donc voilà, c'est un gameplay qui risque d'être assez dynamique, assez sympa. Après, au niveau des combats, ça va certainement être des coups de griffe. Là, ils en ont pas trop dit encore pour le moment. On verra ça en temps voulu. Mais on voit que le développement est vraiment très très proche d'être terminé. Ici, ça a été mis à jour samedi dernier. Ensuite, on passe au Ceratosaur. On connaît un petit peu le Ceratosaur, voilà. On sait qu'il a été envisagé d'être mis pendant ou après la mise à jour gore. La mise à jour, il y a la décomposition des cadavres, des carcasses, où il y a de la viande pourrie et tout ça qui apparaît. Le Ceratosaur, ça va être son gameplay. Ça va être une espèce de poubelle qui va pouvoir manger tout ce qui est pourri. Voilà, qui va pouvoir manger des carcasses putrides. En gros, c'est ça son gameplay de base. Et par rapport à ça, on a sur le Discord tout ça. C'est-à-dire toutes les caractéristiques du Ceratosaur. Et ici, notamment, il y a des trucs extrêmement intéressants qui sont dits sur son gameplay. Ça dit que le Ceratosaur est en gros un animal extrêmement endurant et qu'il est capable de détecter des carcasses et des os beaucoup plus loin que les autres. Donc, on va avoir un odorat beaucoup plus développé que tous les autres dinosaures qui sont sur Zoé en ce moment. Et attention, quelque chose de très, très, très intéressant,
ça arrive ici. En gros, sa bouche se charge en bactéries et en poison en mangeant des carcasses pourries. Avec la mise à jour venin qui arrive, poison venin, on comprend que le cératosaure va avoir des attaques empoisonnantes grâce aux bactéries qu'il aura dans la bouche si il mange des carcasses pourries. Et ça, c'est un gameplay qui est vachement intéressant. Ça se rapproche un peu du varan de Komodo actuel qui chasse comme ça, hein, qui croque et qui fait crever ses adversaires d'infection. Donc là, c'est quelque chose d'assez important pour le cératosaure. On voit en dessous quelques images que je ne comprends pas forcément. Oh, c'est très court. Hein. Ici, on voit qu'il fracasse une carcasse. Ici, on voit qu'il vomit. Ou je sais pas trop ce qu'il fait, mais en tout cas, il a fait une crise d'épilepsie, ça c'est sûr. Et en plus de ça, il y a ça sur le devblog. C'est l'attaque de base. Voilà, un petit coup de petit croc. Et en même temps, l'attaque chargée, qui a l'air quand même assez puissante, bien que là, l'Ulta soit déjà endommagée. Hein. Mais... voilà. En gros, il a une attaque chargée qui sera beaucoup plus puissante que son attaque de base. Je trouve que le cératosaure a l'air d'avoir un gameplay qui est vraiment innovant et en même temps très très intéressant. On va voir un petit peu comment tout ça va fonctionner. Maintenant, c'est au tour du Gallimimus. Et oui, le Gallimimus qui est le quatrième dinosaure qui va être ajouté. Avant ça, j'avais vu aucune annonce concernant le Gallimimus. Écoutez, tant mieux. Ça fait quelque chose en plus. Pourquoi pas? Alors ici, on n'en apprend pas beaucoup sur le Gallimimus. Là, il est dit qu'il est rapide et très manœuvrable. Donc ça veut dire qu'il va courir très vite et qu'il va tourner, qui va se déplacer très bien, certainement avec une endurance de fou furieux, et qu'il est principalement végétarien. Mais il est aussi omnivore et peut se nourrir d'œufs. Alors il n'y a pas beaucoup d'infos en plus sur le Gallimimus, sauf sur le devblog où ils disent en gros que le Gallimimus, bah, c'est très important de ne pas se casser les jambes parce que c'est notre seul moyen de rester en vie. Il y aura deux attaques de jambes. Il aura une troisième attaque si on se casse la jambe, ça sera un coup de tête. Mais ils disent que c'est pas forcément très très efficace. Et en plus de ça, on a une petite vidéo qui nous montre une de ses habilités principales qui est, je trouve, super bien pensée, encore une fois. Ils sont pas mauvais, les bougres. En gros, c'est une habilité spéciale, et je vais vous montrer la vidéo tout simplement. Quand il crie en groupe, il se déplace beaucoup plus vite, il a une accélération de fou. Regardez ça, même si la qualité... Regardez, là il va accélérer. Voilà, donc en gros, faut gueuler, faut spam call. Allez. C'est bon. Taisez-vous. En gros, je résume parce que j'ai été peut-être un peu brouillon dans ce que j'ai dit. L'habilité spéciale du Gallimimus, c'est quand on est en groupe et qu'on fuit et qu'on court, il faut faire des cris. Et quand on crie, ça améliore et ça accroît la vitesse de course du Gallimimus pour pouvoir fuir beaucoup plus loin, beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Et ensuite, pour terminer, évidemment, il y a le troodon qui va être ajouté. Bon, le troodon, je sais pas si vraiment j'en parle beaucoup parce qu'il a été vu et revu. Enfin, vous savez tout ce qu'il va faire. Je vais le faire rapidement. C'est un petit dinosaure qui se joue en groupe. Hein. C'est ce qu'il dit ici, en gros, qui va pouvoir évidemment empoisonner ses adversaires pour les tuer à petit feu. Donc ça, c'est vraiment un gameplay sadique que j'aime bien. On sait quand même qu'il y a quelques attaques qui vont être intéressantes, notamment pour s'accrocher, comme avec l'Utahraptor, pour injecter du poison à nos ennemis. On sait qu'il travaille sur une mécanique où le joueur va pouvoir comprendre à quel moment l'adversaire n'est plus empoisonné pour lui remettre une dose. Voilà, et c'est ça qu'il galère à faire en ce moment, visiblement. Et en gros, j'ai pas non plus 3000 choses à dire de plus sur le troodon. Donc en gros, ce qui est important de retenir dans tout ça, c'est qu'il y a 4 dinosaures qui arrivent, tous avec des gameplays ultra différents, tous avec des gameplays ultra travaillés. Donc j'ai très hâte qu'on découvre ça ensemble au travers de futures vidéos. Je pense sincèrement que la phase test va pas tarder à arriver au grand public avec les serveurs test. Et c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous. Tchuss tout le monde.